Le bus de l'université, c'est pour les actions à l'école de l'université. C'est pas à la semaine. Et quoi, les deux demandes, ça fait une heure et demie, et puis là, c'est pas l'expression du matin. Alors là, on est en train de rencontrer toutes les personnes avec qui on va travailler pendant le séjour. Donc, la réunion est chapeautée par Anaïs qui vient de la mairie de Lille et qui nous présente tout le monde. Donc il y a une personne qui représente l'école de Cora, une personne qui représente le château, et puis des gens qui représentent l'Institut français. Donc on essaye d'organiser tout ça, tous les trajets et puis toutes les activités qu'on va faire pendant la semaine. On est en train d'organiser le dernier concert du dernier soir où on sera là, les interventions avec l'école de Cora, tout ça, c'est le premier jour qu'on s'organise. Simple, bon, ça dépendra de vous, quoi. Oui, oui, on pourra aller voir tout ça demain matin, Inch'Allah. Voilà, d'accord. Donc demain, on pourra se donner rendez-vous à l'université à une certaine heure, et puis ça dépend de vous. Mais là, vous serez tous mobilisés sur la répétition. Non. Donc, vous voulez aller voir l'Institut français? Et le groupe Musique en Piste, ils sont arrivés hier nuit et ce matin, on testait un peu le terrain pour rencontrer les partenaires et faire le planning définitif. Donc, c'était le but de la réunion de ce matin. Donc, on a calé tous les rendez-vous, toutes les répétitions et tous les loisirs. Donc, on s'apprête à prendre le repas qui est préparé pour Cora, qui est du Thiéboudjène, riz au poisson, plat traditionnel du Sénégal. Du fleuve. C'est ça? Non. De la mer. C'est les deux. Les dents du poisson, les dents de la mer. C'est sûr. T'as vu? Durant la première session, et Bouba a été premier durant la deuxième session. Donc on a pris les quatre pour vous accompagner. Ce sont donc nos meilleurs élèves. On s'est réunis pour la première fois à l'école de Cora et Music and Peace afin de s'accorder sur les notes qu'on va jouer pour le concert avec Ablé et les élèves de l'école de Cora. Donc là, on cherche les notes. Voilà. Les amis, ici c'est un quartier de 30 hectares où il y a 30 000 habitants. Sur 100 mètres carrés, 100 habitants, un habitant au mètre carré. Tout se fait dans les rues, le linge, la vaisselle, la cuisine, l'ablution. Quand vous les voyez, vous allez dire qu'ils sont des pauvres. Non, ils sont les plus riches de la ville de Saint-Louis. Vous voyez les constructions, le carrelage de haut en bas, ça marque le signe de richesse. Mais ils sont, le carrelage que vous allez voir dans certaines maisons, de haut en bas, c'est des signes de richesse. Les moyens habitent dans des maisons basses et les gens qui n'ont pas des moyens, ils ont des toitures en tôle et des petites maisons. Thank you.
travaillé sur une chanson de Ablaye Cissoko qui s'appelle Na. Alors c'est tout le problème de la transcription entre... Moi je me suis référée à un enregistrement YouTube qu'il avait fait, donc j'ai pris en dictée cet enregistrement. Et donc nous les musiciens on travaille sur cette partition et lui il joue, mais forcément comme il y a de la musique improvisée, il joue pas exactement ce qui est écrit. Donc là c'est toute une adaptation par rapport à ce qu'on a pu préparer en amont. Voilà. Ablaye Cissoko qui vient juste d'arriver pour la première répétition avec Ablaye Cissoko. Donc on est en train de voir sur quelle base travailler. Donc ils sont en répétition et ça va continuer aussi après le repas. Donc c'est une journée remplie de répétitions. Le groupe s'appelle Music and Peace. Nous, en tant que danseurs, c'est la première fois qu'on entend ces genres de musique et on essaie de s'imprégner sur la musique. Voilà. On est en train de... C'est une première fois, donc voilà, quoi, genre. On s'en gêne, quoi. Rencontre entre les danseurs du château qui s'entraînent tous les soirs, qui viennent de la culture urbaine, qui viennent de la rue, avec des codes très à eux. Ça fait plusieurs années qu'ils sont là et ça fait plusieurs années qu'ils s'ouvrent et qui. Moi je suis super contente parce que c'est la première fois qu'il y a une expérimentation de il y a eu plein d'autres petites expérimentations, mais un écart aussi grand, c'est la première fois et j'avoue j'en ai la chair de poule donc c'est cool. Et en même temps, on accueille un groupe de musiciens professionnels de la ville de Lille avec des instruments, des sonorités, des phrasés, des rythmes qui sont radicalement différents de ce qu'on entend d'habitude dans ces murs. C'est un lieu de culture, mais culture jeune, vivace et créative. Voilà. Et en même temps, on accueille ce qu'on appellerait la grande culture, mais pour moi, il y a de la grande culture partout, mais la culture classique. Et voilà. Donc je crois que Music and Peace, le but du jeu, c'est que la musique fasse des ponts. On est dans une ville de ponts, voilà. Je crois qu'on a pas mal de ponts, là. C'est un groupe de danse. Donc il y a plein de groupes de danse qui viennent ici chaque jour. Donc nous faisons beaucoup de styles. Nous faisons du hip-hop, nous faisons du popping, du house, du breakdance, old style. Donc on fait tout. Donc avec cette musique-là, donc ça nous va. Bien sûr, on va tenir la nuit de la danse à Dakar le 22 décembre. Donc on pourrait prendre cette son donc, et le faire à travers la nuit de la danse. Et ça serait vraiment génial. Donc super. C'est l'heure d'aller travailler. Je voudrais pas Donc ils veulent tous essayer d'improviser dans le style de musique. Alors certains sont avantagés parce qu'évidemment ils font du jazz par ailleurs et donc ça leur permet d'être déjà libres dans l'improvisation en fait. D'autres par contre n'en font jamais mais ils peuvent se lancer et ça c'est vraiment super. Donc en fait l'école de chorale là pour l'instant, on a 4 petits choristes. On appelle ça des choristes, ça s'écrit K-O-R-A, mais on a dit quand même des choristes, voilà. Et donc 4 enfants qui pour l'instant font juste les basses et le thème, la tête du thème. Et, mais par contre on ne les entend pas encore improviser, alors peut-être qu'ils sont trop jeunes, je ne sais pas trop. Mais là ça commence à devenir une belle fusion. On attend avec impatience les 8 musiciens qui arrivent cette nuit. Bon, je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez causé avec Ablaye? Donc je ne veux pas, vous avez causé à cause de ça et moi j'ai dit autre chose, moi. Comme je suis professeur,
Il m'a dit souvent, il faut donner les enfants telle musique parce qu'il y aura des étrangers qui seront là et ils vont jouer avec les enfants. Et moi-même, je vais jouer ensemble. On est venu pour jouer de la kora avec notre maître. D'accord. C'est Younous, c'est ça? Oui. On va jouer au concert. Et c'est du français. Oui. C'est une passerelle. Ben, j'avais pas compris que je t'envoyais un clin d'œil et tout. Parce qu'au début, en fait, il avait dit qu'il n'y avait plus que toi et Christine qui faisaient les enfants. Ah, ouais, et ensuite, lui. Et après, il avait dit que. On est dans les suites de couches, là, dans la chambre des suites de couches, et du coup, il y a plein de bébés trop beaux. Et on vient d'apprendre qu'en fait, après l'accouchement, ils gardent les mamans au minimum 6 heures. Et si elles vont bien, si elles ont une bonne tension, tout va bien, hop, elles repartent directement à la maison. Donc du coup, ben, c'est des championnes les mamans ici, parce que nous, on reste au minimum 4 jours, il faut que tout aille bien, voir si tout est sous contrôle et on peut rentrer. Et là, on voit vraiment que, en fait, tout est rapide. Et là, cette nuit, la sage-femme, elle a travaillé, elle a eu 10 accouchements. Donc elle a bien bossé. Alors on est avec Music and Peace au centre de santé de Diamagen à Saint-Louis pour donner un petit concert pour les femmes enceintes qui attendent pour leur rendez-vous prénatal. Donc voilà, l'organisation c'est pas forcément la même qu'en France, mais ça se passe bien, je pense. La folia de Vivaldi et avec les danseurs du château qui travaillent aussi à notre coopération sur ce morceau parce qu'en fait ils vont danser et nous on va jouer le morceau le jour du concert.
Barcelone. D'un calé morceau avec Abel et Florence a chanté, c'était magnifique. Je m'appelle les larmes aux yeux. Et dans une œuvre qui fusionne un peu musique classique et qui accueille les percussions africaines. Donc on est en train d'essayer de voir comment on peut s'assembler ensemble. Mariama, la Mariama des gens de sel. Non, en fait, ça parle d'une. On parle de l'histoire d'une femme. Et ce qu'on souhaite, c'est-à-dire que notre épouse soit comme celle-ci, ou bien que notre fille soit comme celle-ci, ou que notre sœur soit comme celle-ci, ou que notre maman soit comme celle-ci. Mais on pense que malheureusement, le Seigneur n'a pas créé beaucoup comme ça. Mais voilà, on doit quand même s'identifier à celle-là pour que, voilà, en fait, c'est, on a hommage à ces grandes dames qui sont dans la souffrance, mais toujours qui sont là, qui sont prêtes pour prendre les premiers plans, voilà. Voilà. Tous les instruments, le violon, l'alto, le violoncelle. On leur a joué des œuvres
Ensuite, à la fin du petit concert qu'on leur a donné, on leur a proposé d'essayer les instruments, de voir comment ça fonctionnait, de tester par eux-mêmes. Et du coup, chaque musicien a prêté son instrument et a donné des petits conseils, montré comment ça marchait. On a fait aussi un atelier pliage de pupitres qui les a bien passionnés. Donc voilà, il y a un beau moment d'échange et je pense qu'ils sont très très intéressés et très touchés de ce qu'on leur a apporté. Ça vous fait penser à quel animal ça? Les oiseaux. Ah, les oiseaux. Comme des violons avec des instruments à cordes, comme le violoncelle et le petit violon. Je sais que les musiques sont très belles. Donc là nous sommes à l'école de Melru. On est accueillis par Zumba qui aide des enfants qui vivent dans la rue à leur apporter la pédagogie, leur faire découvrir, leur apporter l'école. Donc on leur fait découvrir les instruments, on leur joue quelques pièces. Et on échange avec eux en chantant et en faisant des rythmes corporels. C'est une super rencontre, c'est assez étonnant de les voir aussi nombreux dans cette salle et le travail que Zumba fait avec sa maman qui a offert ce terrain pour construire cette école. Ça fait quelque chose quand même, j'ai l'impression de pouvoir apporter une petite pierre à leur construction, à ces enfants. Alors là, on se trouve dans l'auditorium de l'université. On nous présente à la section de licence politique culturelle un peu une période sur le concerto, l'orchestre et la musique de chambre. Donc, animé bien sûr avec des extraits musicaux. Donc, ils ont pu découvrir le concerto pour quatre violons de Vivaldi, le concerto de Telemann. Ils ont aussi découvert la flûte traversière avec le concerto de le Chardonneret de Vivaldi également. Des œuvres pour orchestre. Actuellement, on entend le Nocturne de Tchaïkovski pour violoncelle. Et nous terminerons ensuite avec Pizzicato Polka pour découvrir une autre façon de jouer sur les instruments à cordes. Et ensuite, la comparsita. Mais j'aimerais bien poser une question par rapport à la composition du groupe. Alors, si on regarde bien, on sent nettement que c'est manifeste, hein? Il y a plus de femmes que d'hommes. Est-ce que c'est une très belle journée qui se débute et... Pour nous, c'est nouveau parce que c'est la première fois qu'on assiste à un orchestre d'opéra. Donc. Mais aussi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est qu'on puisse échanger un peu avec nos instruments et les instruments européens occidentaux. Et c'est une très belle expérience. Merci.
Cora, les sourires, et la vie, dépaysement total. Percussion, sourire de tous nos partenaires, toutes les couleurs, partage, extrême, découverte, humain, choc culturel, le partage, art de la négociation, le vivre ensemble et musique, amitié et musique, chaleur, le ciel bleu, école. Le partage. Les arbres bien verts. Le choc des cultures. Couleur. Chaleur. Bonheur. Vous avez les montres. Chaleur. Nous, on a le temps. Les couleurs sur les pirogues. Bonheur. J'hésite entre couleur et odeur. Bah, la chaleur humaine. Un enrichissement personnel. Le partage. Couleurs. Les crabes violets, rouges, de toutes les couleurs. La famille. Les enfants. Énormément de musique. Saint-Louis. Foisonnant. Les ponts, ma mère. Des paysans. La soif. Surtout la lumière. La terrasse. Très émouvant. Voilà.